Ah, les boules. Quoi? Non, je te jure, c'est fichu. Là, on est fichu. Non, ça sent mal, il va être horrible, le masque. T'es prête? Allez. Ouais, bah ça va être... Attends. Faut allez, faut que je sois naturel. Allez. 1, 2, 3. Ok. T'as un salaud. Ah, ça se fait pas, ça. Ok, salut la team. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un tuto. Enfin, un tuto, ça va être un peu compliqué. Mais ma mère va essayer de me faire fabriquer un masque anti-coronavirus. Donc, je vais faire de la couture. Voilà. On va essayer, hein, mais bon. C'est pas un grand couturier. Tu sais que c'est cool ou pas? Oui. C'est vraiment sûr? Oui. Parce que j'ai qu'une aiguille. Hein, ah, avec ça, non, j'ai jamais fait. Avec un... Oh là là, mon Dieu, bon, on verra ce que ça donne. Bon, bah voilà, c'est... au moins ça prouve que vous pouvez tous essayer une machine à coudre. Attends, comment ça on peut tous? Avec une experte à vos côtés. Attends, pourquoi on peut tous? Ça veut dire que moi, ça veut dire que moi. Ok. Est-ce que je peux mettre l'aiguille dans le doigt? Ça risque si t'écoutes pas mes conseils. Y'a pas de sécurité, ça se bloque pas. Ah non, bah non, c'est une fois que c'est allumé. Alors juste, voilà. Attendez, ceux qui jamais qui veulent aussi fabriquer leur masque, dans la description je mets des tools, les patrons, les choses comme ça, vous verrez, on va expliquer ça tout de suite. Je mettrai tout dans la description pour pouvoir le faire. Juste, on n'est pas sûr à 100% que ce soit bien sécurisé. Fabriquer un masque pour éviter... vous avez compris quoi? Fais pas l'andouille, hein. tu découpes bien, tu vois là le trait? Non, Anthony déconne. Oui, je t'écoute. Ça promet. Oui. Non, sincèrement, tu fais ça sérieusement, sinon oui, c'est pas oui. La peine. Hein. C'est pour ta team. Oui. Alors, tu découpes bien là, autour. Là, non, déconne pas. T'as plusieurs. T'as des problèmes dans ton cerveau là. Parce que je vois pas. T'as plusieurs. Oh, les lunettes. Elles sont super belles. On se moque pas de mes lunettes. Enfant, 3-6 ans. Donc voilà, tu fais. Du coup, nous, on fait quel âge? Bah, nous, on va faire homme. Hein. Soit entre 3 et 6 ans. Donc, vous prenez 3 et 6 ans, parce que je sais que dans ma communauté, vous êtes tous entre 3 et 6 ans. Là, j'ai regardé, il n'y en a aucun qui a plus de 3 de 6 ans. N'importe quoi. Et bref, il y a les âges, vous découpez, voilà, vu que moi je suis un homme viril, je vais découper dans homme. Là, je suis quel trait là, je suis perdu une ado. Bah, celui-là, la lentille continue en douille. Maman, c'est stressant. Oui. Ok, je déteste sous pression. Au boulot, on m'appelle chef filou. Ouais. Bon, on va prendre une, deux. Celle-là, allez. Ah ouais, je sais pas si ça va être bon. Bon, oui, c'est pas grave, c'est bon. C'est quoi ce cri là? Et du coup, si on avait compris, ça va faire comme ça, des deux côtés. Oui, alors par contre, faut faire. Ouais, mais ok, c'est ça? Comment tu peux couper aussi mieux que ça, genre? C'est très bien, bravo, c'est bien. C'est bien. Bon découpage. Non, mais c'est vrai, bravo. Bon, alors. Ta mère me félicite pour un découpage. Bon, alors, merci, les lunettes qui tombent. Alors. Ah, t'as fait le truc de TikTok, c'est à la mode. Arrête. Je te jure, c'est la vache, t'as vu ça un peu? Là, attends, regarde. Si t'es un artiste, vraiment, il y a. Non, arrête, après, j'aurais passé le tissu. Tu plies déjà en deux. Bah moi j'en ai déjà marre. Non arrête tes conneries. Je te jure j'en ai déjà marre, ça me saoule. Arrête. Tu me prends vraiment que je suis une merde en fait. Voilà, tiens. Allez, tu traces. Là je coupe là. Non, tu traces. Mais je coupe à Wall Again. Non, pas à la Wall Again, c'est quoi ça la Wall Again? Tiens, tu traces. C'est qui le patron? C'est toi, allez, dépêche-toi. Oui. Allez, c'est bien. Non, par contre j'ai pas besoin d'être félicité parce que je trace une ligne en fait. Je suis pas un... Mais y'a pas besoin de ça, je me trace un trait. Non mais trace déjà ton trait, tais-toi, voilà. Mais t'es malade. Rien, tu vas te dire, tu vas être impressionné, tu vas faire waouh. Ça va être bien. Ouais, c'est pas mal. Alors vous devez mettre des petites aiguilles comme ça pour que le chiffon ne bouge pas quand vous allez couper, c'est ça? Voilà, pour que le tissu, c'est pas du chiffon, oh, c'est du tissu. Fou. 100% coton. Quoi? Découpe bien. Bah vraiment, tu sais très bien que je suis le boss. Ah ouais. C'est bien mon grand. Bah, je me moque pas de toi. C'est très bien, je te fais confiance. Pour l'instant. Je te vois faire des dingues là. J'ai rien fait. C'est lié. Mon pouce il dépasse comme ça. Mais tu sais que tu sais pas tenir ta paire de ciseaux. Les ciseaux ça se tient pas comme ça. Hein. Oh là 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 là. Alors, ça y est, t'as enlevé tes petites aiguilles. Je vais te montrer ce qu'il faut faire après. Ça va être ça? Non, attends, il y a un problème, c'est con. Ah, il faut couper au milieu là, mon coco. Ah, arrête, mais t'es malade ou quoi? Bon, coupe là, arrête de faire n'importe quoi, Anthony. Anthony, coupe au milieu là. Pas ta barbe là, voilà. Bon, alors. Ah, c'est pas. Ça fait une bouche. C'est... Non, mais comme masque, c'est pas mal. Non. Non, je me trimballe pas avec ça. Bon, c'est vrai que c'est comme tes masques, ils sont dégueulasses, tes masques que t'as fait. Mais ils sont bien mes masques, attends, je te montrerai. T'es dans la jungle avec. Dites ce que vous en pensez. Là. Je ne croise aucune personne avec ce genre de masque. On dirait un singe. Non, pas du tout. Regarde, je mets la gueule d'un singe, j'avoue, c'est la même chose. Regarde, on dirait un singe. Il est pas mal celui-là. Oh là. Il est pas mal. Moi, je l'ai mis à l'envers. Oh, c'est pas... Voilà, celui-là, il est pas mal. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Ah merde, j'ai... Oh. Tu comprends, Anthony? Je l'ai arraché!
Maintenant, on va servir la machine à coudre, Anthony. Alors, tu m'écoutes bien. Tu vas piquer. Non, non, écoute bien, arrête de faire l'andouille. Oui. Là, tu laisses ouvert, ok. Là, tu piques pas. Tu t'écoutes. Oui, ou pas j'écoute. Là où je te fais des petits pointillés, tu vas. Bah, tu coupes que là, ok. Ouais. Allez, vas-y. Ne traîne pas. Non, Anthony. non, attends, tu vas. J'ai plus de doigts là. Sinon. C'est comme si c'était du simple, t'aurais dû me le faire dans l'autre sens. Moi, j'ai plus de pointillés dans la droite que vers la gauche. Tu vois le DEL ou pas? Oui. Mais tu es sûr si je mets mon doigt? De toute façon, mon doigt il passe. Ah, ouah, j'ai peur. Mais t'es malade toi, tu mets ton doigt en dessous, l'aiguille elle te pique dedans. Arrête de faire l'andouille. Eh, tu casses mon aiguille, c'est oui, toi la main après. Mais ta main là, là. T'as jamais... Tu t'es jamais servi d'une machine? Bah non. Pas à fond la caisse. Non, non, faut pas l'envoyer. Oui, oui, non, allez, maman. Appuie sur la pédale et sur le truc. Ouais. Les deux en même temps? Les deux en même temps, oui. Voilà. Non, ça sent mal, il va être horrible le masque. Non. Suis sur les lignes patinées. Non, déconne pas. Non, mais c'est dur, attends, ça va super vite. Sur les pointillés. Oh, je faisais. T'es pas vraiment sur les pointillés. Mais je faisais plus rien, ça faisait Anthony, tout seul. Vas-y, arrête tes conneries là. Non, mais non, c'est super compliqué. Non, c'est pas super compliqué, c'est sur les pointillés. Je suis vraiment concentré au max là. Voilà, c'est bien, bravo. Allez, voilà, voilà, tu vois, bah, c'est pas mal, tu pourrais être une vraie couturière, mon petit. Les petits, voilà, le petit fil là, tu coupes au bord, voilà. Voilà, maintenant, hop, tu peux enlever tes aiguilles, tu le retournes. Et tu vas faire l'autre pareil. T'es connu. Vraiment, t'as un truc là. Ah putain, je... Non, ça se fait pas. T'avais vraiment un truc, allez. Non, non. Vous avez vu le petit t-shirt Warbody là? Ouais, t'as vu. Je t'ai fait plaisir. Vraiment dit, c'est carré quand même. C'est carré. C'est pas mal. Franchement, je te félicite, c'est pas mal. Allez, continue. Mais arrête de faire l'embout. Tu sais combien par mois je me fais avec YouTube, moi? Devine. 100 euros? 700 euros par mois. Menteur. Non, vraiment, je te jure. Non. Si? Je te crois pas. Oh, bah, je te montrerai mes repères. 700 euros? Oui, bah oui. Et je fais pas beaucoup de vues en plus. Mais moi, je cartonnerais, moi. Ah non, les masques. Je rigole, je gagne 20 euros par mois. Ah mince. Tu as mince. C'est vraiment trop fort là. Bah après, tu vas, plus t'es à l'aise et plus tu vas vite après. Putain, déjà avant de te piquer le doigt, j'ai déjà expliqué le bouton noir. Quoi? Rien, je pense à un film. Ah, les boules. Quoi? Non, je te jure, c'est fichu là. Là, on est fichu. Et je te jure, je sais pas le faire. Il y a plus besoin de couture là. Ah bah si, Anthony. Qu'est-ce qu'elle veut? Putain, elle a cassé la machine, je l'ai réparée. Alors attends, ouais. Alors Anthony, attends, parce que c'est très très compliqué. Parce que je pense qu'après, il faut le retourner. Donc faut pas qu'on voie des coutures. Non, Anthony, déconne pas. Arrête de faire un peu ce. C'est l'autre là, comment il s'appelle, Rémi, non? Greg Guillotin. Je l'aime bien, il est sympa. Il me fait bien rire. Tu coupes là. Tu fais des pointillés, sinon ça va être une catastrophe. On travaille là. On travaille. Ouais. Tony, c'est de la précision, mon grand, de la précision. Hein? Non, Anthony, d'accord? Oh oh. Mmh. Non, je déconne pas. Je suis fatigué, là, oh. Oh, oh, oh. Oula. Non, il est plus là, il est plus accroché là, c'est pas grave. Mais non, c'est normal. Le fil, il est pas dedans là. Ça vient même pas de toi là, regarde. Il est pas. Je te l'ai dit, tu m'as pas répondu. Non, il est plus là, il est plus accroché là, c'est pas grave. Regarde le cognac, regarde le skill. Oh, Bobby. Regarde toi ton truc là. J'enlève mes lunettes, c'est que je te fais confiance. Mais quoi, Anthony, je comprends pas. Rallume, tu tournes l'aiguille pour qu'elle monte en douille. Comment veux-tu que j'enlève le tissu s'il y a l'aiguille dedans? Voilà, très bien. Anthony, si je gueule pas, il réagit pas, il est pas réactif. Donc, quoi? Moi je suis pas réactif moi? Si je t'engueule pas, non. Mais bon. Non. Ah, n'importe quoi. Ah putain. Je te crois pas, n'importe quoi. Ah je te jure putain. Mais arrête, c'est pas vrai. Non, je te jure, non, putain, je me suis défoncé le doigt. Je te crois pas. Ah. Arrête tes conneries, y a pas de son sur l'aiguille. Je te crois pas, qu'est-ce qu'il est mort. Mais ça a coupé à côté, putain. Fais voir, montre-moi. Ah. Ouais, c'est ça, ouais. Tu sais que je commence à y croire quand même un petit peu. C'est tellement des bêtises petites que j'aurais pu le faire. Hé, hey, calme-toi là. Il est pressé de finir. Mais comment ça se fait que c'est plus du tout à la même mesure là, les deux? C'est vrai qu'il est. Hey, à mon avis, on l'a pas fait assez large. Oh là là, attends. On a pas fait, parce qu'il fallait laisser des coutures sur les bords, Anthony. Fallait laisser des coutures. On l'a fait trop petit. On n'a plus qu'à recommencer les boules. Bon, comme vous aurez compris, on l'a fait trop petit. Du coup, qu'est-ce qu'on a voulu faire? Repartir à zéro, mais avec une autre façon de faire un masque, beaucoup plus simple et plus rapide. Ah, ok. Alors là, c'est sûr que ça vous protège dans tous les magasins où vous allez. Plus jamais je fais une vidéo sur la couture. Regarde bien. Alors, qu'est-ce que t'en penses, mon toto? Attends. Ça sert à quoi cette petite pince là? Ah, c'est pour moi. C'est un micro. Oh purée, je te sens bien stressé là avec ta petite pédale. On est moi. On est fiers de nous quoi, on est une bonne équipe. Allez check. Non. Ça se fait pas. Ok, moment où je vais le tester pour voir si tout est carré. Vas-y. Ça commence mal. J'ai eu peur que l'élastique avait sauté. Non. Ah, c'est pas mal. Ouais. Fais voir, Anthony. Bah, non, mais le plus haut.
plus haut. Mais non, voilà, comme ça, bah, c'est très bien. Oh. Non, mais ça, c'est pas grave, on peut recoudre. Bon, je refais une couture. Ça a craqué le truc. Bon, bah écoutez, on va passer à la custom. Donc, je vais m'occuper de la custom un peu, je vais faire quelques trucs pour qu'il soit beau, parce que là, c'est le cas de ça, on dirait vraiment que je sors d'un asile, clairement. Bah, pas d'un asile, mais hôpital, quoi. Ouais. Mais non, c'est très bien. Ok, allez, c'est carré, du coup, là, on va prendre la javel. Oh. Et attention. Voilà. Ah, elle est bonne, sa mère. Elle est bonne, sa mère. Passe une fourchette, s'il te plaît. Ta gueule, c'est plus Yes Man. Non, mais s'il te plaît, vite fait, allez. Elle dit, c'est plus les Yes Man. Merci. C'est parti, du coup, là, on vient plier le masque. Je t'avoue, ça va pas faire moche que j'ai fait, hein. Et là, on vient tremper la moitié dedans. Ok, donc vous voyez, il y a la moitié qui est avec de la javel et de la couleur, et l'autre moitié qui reste blanche. Voilà, une fois séché, ça va donner ça. Bien sûr, nettoyez-le, hein, faites-le bien sécher, parce que sinon, bah, du coup, c'est même plus un masque pour vous protéger, sinon ça va sentir la javel, et la peinture, ça va être horrible. Qu'est-ce qu'elle a fait? Oh, regarde là, filme là, en direct, Barbara. Ah, non, c'est une blague. Non, alors là, on aurait voulu le faire exprès, on l'aurait pas fait exprès. Ah, non, Barbara. Je suis dégoûtée. Qu'est-ce que ça fait dans les... Oh, toute la boîte de Barbara, maïs par terre. Est-ce que c'est le gâteau ramassé? Bon, du coup, bien sûr, on a rajouté ça pour pouvoir le plier. Comme ça, il n'y a pas d'air ou de trucs qui passent entre mon nez et ma joue. Bah, explique, c'est où que t'as récupéré ouais, ça? Ouais, ça, c'est dans les trucs, ça, les trucs de brioche. Là. Pour fermer des sacs. Voilà, pour sceller les sacs. Donc voilà, c'est carré. Bon la team, voilà la fin de la vidéo, merci à ton maman qui va m'avoir aidé parce que c'était pas compliqué, c'était pas... J'arrive même plus à parler, c'était pas facile. Oui. Voilà. Bon, bravo Anthony. Merci. Hein, on a galéré mais bon c'est bien, bravo. J'en peux plus. D'ici là, n'oubliez pas... Prenez soin de vous. Allez, salut la team. Salut la team. Ça te va? Oui. Quoi? Pourquoi tu me filmes, d'accord? Bon. Je voudrais voyager sur tous les continents, emmener mes parents à la plage grâce à mes finances. Je perds pas mon temps car j'ai besoin de mailles. Je veux beaucoup d'argent, je veux pas être sur la paille. Je voudrais voyager sur tous les continents, emmener mes parents à la plage grâce à mes finances. Je perds pas mon temps.